Les potos, bon alors dans cette vidéo vous allez m'accompagner à Paname pour pécho le nouveau maillot du PSG. Mais avant de commencer, sachez que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application number one sur le football. Application totalement personnalisable, tu peux choisir le club, les clubs que tu veux suivre, les joueurs également que tu veux suivre avec toutes les statistiques. Et c'est disponible sur Android et iOS. Elle est totalement gratuite bien évidemment. Le lien est dans la description de cette vidéo comme indiqué juste ici. N'hésite pas à la télécharger ma gueule, ça m'aidera énormément. Là, je suis dans le speed. Je vais pécho le nouveau maillot de Paname. Il est sorti hier. J'ai un jour de retard. On va dire qu'un jour de retard, ça va, c'est pas beaucoup. Attends, là, je passe sur un délire de chemin de fer. Voilà. Je me dépêche de prendre l'autoroute et je vais aller à la boutique du PSG, mais du Parc des Princes. Je vais aller donc pécho le nouveau maillot, tout ça, tout ça. Je vais filmer, je vais tout vous trémont. Et après, on se retrouve dans le AZ Labo. Et me voilà arrivé au Parc des Princes. Donc là normalement c'est le logo de Paname, mais ils ont dû le changer certainement par rapport à la Coupe du Monde féminine qui est pas encore terminée. Donc me voilà arrivé dans notre magnifique jardin. Il fait beau, c'est cool. Et la boutique qui est juste ici, c'est là que je viens faire mes petites emplettes. Je vais vous montrer comment est la boutique. Bon, elle est pas exceptionnelle hein, c'est une boutique normale, mais c'est ici que j'ai l'habitude de venir. Donc on y va tout de suite ici, pas tout à l'heure. Voilà, tu vois, ceux-là, c'est ceux qui coûtent bien plus cher avec des trous là. C'est pas les mêmes. Ceux-là, c'est ceux des joueurs, ils coûtent 140 euros. Et ceux-là, on va dire les normaux, les maillots supporters entre guillemets, il n'y a pas les mêmes. Enfin, c'est pas la même matière et évidemment pas le même prix. Bon, là, il n'y a pas l'étiquette, voilà, elle est là. Et là, c'est 90 balles. On en parlera tout à l'heure de la différence entre ces deux maillots. Hey, tu sais quoi, j'hésite. Pour 5 euros d'écart, je peux l'avoir en manche longue ou en normal. Ah, j'hésite. Bon, moi, je mets du M. J'hésite à le prendre en manche longue pour 5 euros d'écart. Mais bon, je vais le prendre en normal quand même. Salut, ça va? Ça va bien? Ouais, cool. Pécho le maillot, c'est le mec à la caisse. Ouais, hier, il y avait du monde ou pas? Ça allait, franchement, ça parce que bon, je suis en retard. Que j'imaginais, mais quand même pas mal. Ouais, parce que le maillot, il est sorti hier et voilà, quoi, je viens que aujourd'hui. Normalement, je devais venir avec Mourad, d'ailleurs, je lui fais un gros big up. Et j'ai oublié de dire, c'est quoi ton prénom? Hein? Ton prénom? Dylan, de Sèvres, c'est ça. Tu me permets de passer un big up, s'il te plaît? Vas-y, je t'en prie. Big up à Enzo, Baptiste et tous les autres de Sèvres, Vartan, il faut tous se reconnaître, quoi. Et ouais, on connaît les bails. Voilà, on connaît tous. La famille est ensemble. Ouais, bah toi, t'en penses quoi, toi, le maillot, du maillot? C'est moi qui te pose la question. Bah, franchement, il n'est pas exactement comme on l'aurait voulu, mais après, du progrès, c'est des couleurs et tout. Ouais, et puis, après, les bandes blanches, c'est un peu dommage, elles sont un peu larges. C'est trop large. Mais ça va. Il aurait fallu agrandir le rouge pour diminuer le blanc. Ouais, mais comme chaque année, on se plaint, mais au final, on va tous l'acheter, on va tous le porter. Ouais, moi, je trouve quand même beau, chacun ses goûts. Après, on se dissout pas les goûts, les couleurs. Je suis bien content de venir me le pécho, en tout cas, et je vais vite le porter. Bah, merci en tout cas. Pas de soucis, pas de soucis. Cool. On va aller bloquer ça vite, vite. Ouais, ouais, je m'en occupe. Voilà, donc là j'ai mon sac et mon maillot est dedans. Et là je vais me diriger vers le truc pour qu'il me fasse le flocage. C'est ici que ça se passe. En plus, le mec il m'a fait un salut. Ah ouais, mais c'est marrant, ils me reconnaissent tous. C'est cool. C'est toi qui vas s'occuper de mon flocage. Exactement. Bon, bah c'est cool. Tiens, le maillot. Là il y a l'étiquette. Alors attends, l'étiquette. Et t'as vu, bon, le numéro c'est le 22 parce que je suis né le 22 comme je dis à chaque fois. 22. Et le AZ Story, t'as vu, faut mettre le petit accent sur le E. Je sais pas si c'est des accents. Ah ouais? Bon, punaise, va peut-être pas y avoir d'accent. Bon, s'il y en a pas, c'est pas trop grave. Par contre, bon, t'as vu, comme le blaze il est long, je l'ai fait sur tous mes maillots, tu sais, il le baisse un petit peu. Enfin, après, je te. T'as pas pris de badge champion? Hein. Non, j'ai pas pris. Les badges, les trucs sur les épaules, on s'en bat les nuts tant qu'il y a mon blaze, c'est bon. Eh poto, ça te dérange pas d'être sur ma vidéo YouTube? Non, tu dis au contraire. Au contraire? Ouais, tu connais les bails. C'est quoi ton blaze, poto? Eddy. Tu viens d'où, Eddy? Je viens des Yvelines. Des Yvelines? Ok. Paname et ses alentours, ma gueule. Voilà. C'est ça. Bon, je vais filmer un petit peu comment tu fais ça et puis voilà.
c'est cool. Et je voulais te poser une question justement. T'as vu, moi je les lave tous à l'envers et tout, et il y en a certains, pas tous, mais tu vois, ça craquelle un peu au niveau des lettres. Après, le mieux, ce que je te conseille, c'est de les laver à la main. Ah ouais? Ouais, c'est mieux. Moi, ouais, je les lave à la main. C'est relou ça. Ouais, c'est ça. Ah, je suis tout. Ah, merci, c'est cool, ça fait plaisir. Ouais, donc, mais ouais, y en a certains qui craquaient et d'autres pas, et je me demandais si t'avais pas une. À la main, je les lave à la main, c'est vrai. Ouais, mais on va pas les laver à la main. Alors, en tout cas, à l'envers, 32 ans machine, pas de séchage, pas de passage, c'est des conditions. Non, c'est abusé. D'accord, ok. Bon, bah, Cimer, en tout cas, c'est cool, je suis content. Il est beau ou pas? Ouais, il est super, bah, c'est bien va, posé. Merci. Et voilà poto, je suis trop content, j'ai mon nouveau maillot, ça fait zizir. Donc bah en plus je suis garé juste là. Maintenant ça a été vite fait bien fait, il me l'a floqué, cool. En plus j'ai eu un petit prix. Donc là je retourne dans le AZ Labo pour essayer ce maillot. Je vais vous montrer ce que ça donne. On va se mettre en mode mannequin, on va discuter un petit peu. Allez c'est parti. Oh là là, oh là 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 là. Oupinaise. Oupinaise, nom d'une sardine avariée, c'est validé, je kiffe. Lourd, eh, oh là là, oh là. Oh, puis là, il y a le bleu, blanc, rouge aussi. Oupinaise, non, 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 oh là 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 là, tout est dans les détails. Je kiffe, oh, on a trop parlé pour rien. Lourd, eh, non, ah, pff, ah, vraiment, 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 je kiffe. Bon, je vais te parler du short là, TVF. Tu vois le short là, j'aurais pu te mytho que j'avais acheté le short parce que bon, le maillot c'est 90 balles, plus le flocage 20 balles, ça fait 110 balles. Le short c'est 40 balles, t'en es à 150 balles. Non, je l'ai pas acheté. Je vais pas te mentir, je l'ai pas acheté, poteau. Ça c'est le short d'il y a deux ans ou trois ans, je sais plus. Parce que dès que je suis arrivé chez Gable, c'était la même matière, ça passe direct. Par contre, l'année dernière pour celui-ci, j'ai dû acheter le short parce que celui-là c'est pas le même. Je sais pas, tu vois peut-être pas la caméra, mais tu sais, ça fait une matière un peu pas crocodile, mais une matière un peu bizarre, c'est pas la même. Donc tu vois, là par contre celui d'il y a deux ans, c'est un peu la même matière, donc ça passe. Parce que là on va parler des tarots. Je suis super content, je suis heureux de le porter. Là dès que je l'ai enfilé, j'ai senti ma cosmo énergie se décupler, ma gueule. Donc ouais, je suis super content. Ouais voilà, mais je vais pas faire le hmama pour autant au niveau du short et tout. On va parler des tarots parce qu'ils se vous nous respectez pas les potos. Je suis obligé de dire qu'est-ce que j'ai sur le cœur. Bon alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je suis super content, vraiment, je le trouve magnifique. Le porter, c'est l'adopter. Vraiment, cette phrase prend tout son sens aujourd'hui. En tout cas, je suis très content. Mais oui, c'est vrai qu'on l'a beaucoup critiqué, ce maillot, notamment pour ses grosses bandes blanches. Mais je me souviens, il y a deux ans, quand on a vu la photo du maillot de l'arrivée de Neymar. Ouais, c'était ça, il y a deux ans. Les photos, tu sais, elles étaient de mauvaise qualité, les couleurs étaient délavées. J'étais moi-même outré. Quand j'ai vu le jaune, j'ai dit, ouais, c'est un délire, t'es à la poste, c'est quoi le problème? Et pareil, j'ai pas aimé, mais au final, je les aime tous les deux. Je les ai aimés par la suite. Et là, celui-là, j'ai pas attendu longtemps avant de l'adopter, c'est bon, je kiffe. Au final, on critique, puis on finit toujours par les acheter, les porter et les accepter surtout. Mais là, je veux mettre l'accent sur un délire parce que beaucoup d'entre vous le savent déjà. Il y a des maillots qui coûtent 140 euros, tu sais, les vrais maillots, comme on appelle les vrais maillots. Alors, je sais pas les noms officiels qui différencient le maillot supporter du maillot que portent réellement les joueurs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une différence de matière et évidemment de prix. Donc voilà, moi, je voulais pousser un petit coup de gueule par rapport à ça parce que les maillots qui coûtent 140 balles, c'est donc les maillots que les joueurs portent. Il y a des petits trous. Si tu regardes bien à la télé, quand ça zoome vraiment, tu vois qu'il y a des petits trous. Et évidemment, la matière n'est pas la même. Donc 140 balles, c'est les maillots des joueurs, les vrais de vrais maillots. Et celui-ci qui est un vrai, hein, qui n'est pas un faux, hein, il vient pas de Thaïlande. Tu l'as vu, ma gueule, hein. Tu l'as vu dans ma vidéo. Mais il coûte 90 balles. Bon, l'année dernière, c'était 85 balles. Là, c'est 90 balles parce qu'ils se sont positionnés. C'est Nike qui s'est positionné sur Adidas, tout ça, tout ça. Bon, bref, ça, c'est leur tambouille. Moi, je parle de la différence de prix et je parle aussi du fait. Moi, en fait, mon coup de gueule, c'est pour dire, oh, les potos, vous nous douillez pas assez déjà? Là, je comprends pas. Pourquoi vous faites deux genres de maillots? Faites un seul maillot, un seul tarot. Ils vont dire, je sais déjà, ils vont dire. Ouais, mais c'est pour justement que ce soit pas trop cher pour vous. Ferme-la, ça sert à rien de nous raconter tes salades, tes mythos, tes trucs, ça prend pas. 90 euros, ça suffit pour que tu nous fasses quelque chose dans lequel on peut transpirer et jouer. Ça veut dire les darons qui achètent des maillots comme ça, qui sont des vrais et non pas des faux, hein, qui achètent des maillots comme ça à leurs enfants, en fait, c'est pas adapté à la transpiration, c'est pas adapté pour jouer au foot. Enfin, je comprends pas. Et les autres, ils sont plus adaptés pour jouer au foot. Alors, expliquez-moi ceux qui savent dans les commentaires. En tout cas, c'est pas à vous que je fais ce coup de gueule, hein, évidemment, c'est aux gens qui font ça. Je pense pas qu'ils regarderont ma vidéo, en tout cas,
je te donne mon point de vue, poto. Je comprends pas pourquoi il y a deux genres de maillots. Un qui est adapté à la transpiration et donc au sport. Et celui-ci, il est pour quoi faire? Alors c'est pour aller gueuler dans le stade, c'est tout? Ou pour regarder les matchs devant ta télé? Non, moi je comprends pas. Encore si tu le faisais à 40 balles, à la limite, 50 balles, je comprendrais. Parce qu'à la fabrication, me sors pas des mythos. À la fabrication, ça coûte pas des 1000, mais ça coûte pas 100 non plus. Toutes les marques extampillées Nike et tout, tu peux transpirer dedans. Moi je comprends pas. À partir du moment où t'es une marque de sport, je sais pas, y a pas que Nike, hein, toutes les marques de sport font ça. Bon, on va parler de Nike, y a des maillots Nike, qu'importe le prix, des prix plus ou moins abordables, de toute manière, à la fin de l'histoire, tu peux transpirer dedans, c'est le but. À quoi ça sert de faire un maillot de foot où tu peux pas jouer au foot? Enfin, où tu peux pas transpirer dedans dans de bonnes conditions? Parce que je le vois bien que c'est du synthétique, que c'est pas du 100% coton. Alors, je sais pas si le 100% coton c'est mieux, c'est pas mieux, tout ça, mais quand j'ai touché l'autre, ouais, j'ai bien vu que c'était pas la même qualité. Faire deux qualités différentes, là, j'ai pas compris, faut me s'expliquer. Donc, ça veut dire quoi, tous les maillots Nike? Ok, le cahier des charges est rempli, mais à partir du moment où tu mets le logo d'une équipe de foot à Teco, là non, on change la fiche technique, hein? Tu changes la fiche technique, tu veux me niquer, c'est ça, en vraie vérité. Tu veux me ken? Attends, je te s'explique. Avec la clavicule qui frappe toute la France, là, je suis dans mon AZ Labo, je suis déjà en train de transpirer, là, déjà. Comment on fait maintenant? Hein? Comment on fait? C'est comme ça que tu nous remercies? Avec la saison cauchemardesque que je préfère pas me souvenir du? C'est comme ça que tu nous remercies? Non, franchement, c'est pas tigeant ça. Ça, c'est pas tigeant du tout ça. Bref, t'as compris où je voulais en venir, ça m'énerve. Voilà, je suis pas corda avec ça. Mais en tout cas, je suis quand même content. Et voilà, c'était le petit truc que je voulais dire. Attends. T'en vas pas tes suites. Je voulais te dire un autre truc aussi. Tu vois ce maillot là? Il est plus vieux que celui-ci. On est bien corda, hein? Bon, il est plus vieux. Tu vois le flot. Il est correct, hein, ça va, il est correct. Mais celui-ci, eh ben non, regarde. Attends, je te trémonte. Regarde-moi ce catastrophe, tu vois ça ou pas? Alors, le vendeur, j'ai pas trop voulu le saouler, il m'a parlé de laver le maillot à la main. Tu veux que moi je lave? Tu te fous de ma gueule? Tu crois je vais laver le maillot à la main? Alors il a aussi dit qu'il fallait pas repasser et passer au sèche-linge. Ouais, j'ai pas relevé, mais évidemment qu'on va pas le passer au sèche-linge. Tu m'as pris pour un abruti ou quoi? Hein? Tu m'as pris pour un bolos? Et puis c'est marqué ici. J'ai, jusqu'à preuve du contraire, j'ai la même machine à laver. Hein? J'ai la même machine à laver. Là ça va, c'est correct, regarde, beau gosse, blanc, le blanc il est bien, hein, t'as vu, y a pas de problème. Mais regarde là c'est tout froissé, comme si que je sais pas quoi là, hein. Donc ça, je comprends pas, jusqu'à preuve du contraire. Ouais, là c'est un abonné qui vient de s'abonner, laisse, ça c'est autre chose. Donc jusqu'à preuve du contraire, j'ai la même machine à laver. Donc faudra me s'expliquer comment se faire STS, parce qu'à 20 balles le flocage, déjà que je peux pas jouer au foot avec, à 20 balles le flocage, faut que ça finisse en charpie, machin chose, hein. Non, c'est pas cool ça les gars, c'est pas cool du tout ça. T'as de la chance que je l'aime bien ton maillot, t'as de la chance. Non, sans blague, je suis content. Quand je l'ai enfilé, je t'ai dit, j'ai senti ma cosmo énergie se décupler d'un coup d'un seul. Donc ouais, je suis content. Sinon, cette saison, hein. C'est bien beau le maillot, il est beau, d'accord, ok. Mais le maillot va falloir le mouiller les gars. Ah bah oui, faudra le mouiller le maillot, on compte sur vous. Bon allez, je m'arrête ici, on connaît les bails. Salut.